Salut, c'est moi Goku. Tu es bien sur la chaîne de Newek et il a besoin de tout ton soutien. Alors, envoie lui toute ton énergie en mettant un maximum de pouces bleus et en t'abonnant à sa chaîne. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous avez vu ma précédente vidéo Invocation, bah vous avez vu que malheureusement je n'ai pas drop Végéto Ultra. Du coup, on repart, je vais repartir pour essayer de l'avoir 10 étoiles parce que c'est vraiment, mais vraiment mon objectif, l'avoir minimum 10 étoiles. Si je l'ai plus d'étoiles, bah, c'est top, tu vois. Mais il me le faut 10 étoiles parce que voilà, bah, tu as la 9e étoile qui donne plus 5% de stats, c'est hyper important. Et bah, en même temps, je me rapproche de la 12e et de la 14e. Mais la 10 étoiles, pour moi avoir un ultra, c'est minimum 10 étoiles pour qu'il puisse durer dans le temps. Donc, regarde la vidéo invocation tout de suite et on se retrouve du coup à la fin. Vous avez toujours 2 minutes. Là par contre, je sais pas quand est-ce que je m'arrête. Mais bon, allez, on est reparti. La prédit. Ah, franchement, j'ai eu des belles animations, mais ce qui me saoule, c'est d'avoir drop... comment il s'appelle ? Le Majin Vegeta, que je ne veux absolument pas. Même quand il aura son Zenkai... Même quand il aura son Zenkai, c'est ici que tout se joue. C'est vraiment ici. Hein. Ok, j'ai bien fait de skip. Hein. Bon, je l'ai 14 étoiles, c'est bien. Je suis content d'avoir 14 étoiles. Mais moi, celui que j'aimerais bien avoir 14 étoiles, c'est Végéto. Imagine, alors là, mon kiff ultime, c'est drop. Oh, nuage magique. Pas de Broly. Mais le truc, c'est qu'on est dans l'espace. Donc il y a Broly qui peut arriver. Bon, après, ça veut rien dire. J'adore cette animation. Ça veut rien dire parce qu'il peut très bien... Tout à l'heure, j'ai drop un LF et l'ultra. Donc on va voir. Bon, l'animation elle est magnifique. Hein. Moi j'adore l'animation de Broly. Hein. Franchement, pour moi c'est mon animation préférée. Hein. Donc ça c'est un LF maintenant. Bon, il va tomber tout de suite. Hein. Végéto. Mais c'est sérieux. Mais sur la vie de ma mère, c'est un truc de ouf. Mais franchement, j'ai que lui. C'est un truc de malade. J'ai que lui. On dirait qu'il n'y a que lui en LF. Tout à l'heure, j'ai eu Végéto tout le temps. Et là, j'ai que lui en LF. Non, mais faites tourner les LF un peu. Allez, casse-toi. Ouais. Allez, un troisième, allez. Ok. Mais sérieux, je m'en tape de l'avoir 10 étoiles. Non, mais c'est... Franchement, ok, quand il aura Zenkai, il sera intéressant et tout, tu vois. Mais franchement, là... ça donne... Franchement, ça fout la haine. Hein. Allez, on est reparti. On va voir... Ok, donc ça, c'est bon. On connaît la suite. Allez. Celui que je veux, c'est sur... Vraiment, merci pour le follow, Andovatos. Merci beaucoup. D'ailleurs, tu as commenté tout à l'heure. Alors, attends. C'est quoi la meilleure solution pour gagner des cristaux rapidement? Tu peux pas gagner des cristaux rapidement. Il faut faire, le mode histoire. Par exemple, tu fais le mode histoire. Quand tu fais le mode histoire, tu gagnes pas mal de cristaux. C'est ici qu'il peut tomber. C'est ici qu'il a le plus de chances de tomber. SSJ Blue, Tao Pai Pai. Ça commence bien. Maintenant, faudrait qu'il perde. Match nul. S'il te plaît, perds beaucoup. Perds. Broly, il y a un LF. C'est bien.
Non, 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 toi nous, chut. Non, 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 toi nous, s'il te plaît. Non, pas, non, je veux. En fait, tout sauf Majin. Après, en fait, celui que j'aimerais bien, c'est Vegito SSJ. Vraiment. Vegito SSJ, je le prends. Donc, vraiment, Vegito SSJ, je le prends. Je le prends tout le temps. Hein. Allez, un petit fake out là. Donne-moi l'ultra juste avant le LF. Comme ça, je suis content, tu vois. Wow. Allez, donne-le-moi. Maintenant. Non, tu veux pas. Non. Il a pas envie. Le jeu, il a pas envie de me le donner. Hein. Le jeu a vraiment pas envie de me donner le perso. Hein. Bon, allez. C'est bien. Il va passer 8 ou 9 étoiles. 9 étoiles. Magnifique. Magnifique, magnifique. 9ème étoile. Ça, c'est top. Ça, c'est top. Franchement, en plus, la team que je joue avec Vados et tout, elle a pris un up de ouf. Mais vraiment. Ah, ça, j'aime bien. L'espace, j'aime bien. L'espace, j'aime beaucoup. Vraiment. Bon, je perds. Ok. Est-ce que... Vissé doré. Bon, allez, ok. On va voir. Je me demande qui va être le sparking. Wow. Ah, ils sont durs avec moi, Gogeta rouge. Ok. Oh, Krilin, s'il te plaît, Krilin. Salut Idem 18, j'espère que tu vas bien. Ouais, le loup, j'ai drop, mais je veux l'avoir 10 étoiles. Il me le faut 10 étoiles. Comme Gogeta Ultra, il me le faut. Gogeta Ultra, j'épaule pour l'avoir 10 étoiles. Vegeto, il me le faut. Oh. Il me le faut 10 étoiles. Oh, 10 étoiles, c'est lui qui passe 10 étoiles. GG. Oh, franchement, c'est top. Ça, c'est. Eh, c'est bien. Eh, cette team-là, elle va être incroyable. La team avec les deux Vegeto. C'est incroyable qu'il y ait encore des personnages aussi anciens. Bah, je te jure, Beurre, c'est un truc fou. Allez, on y croit. SSJ Blue, mais... SSJ Blue sans nuage magique. SSJ Blue sans nuage magique. Match nul, et tu vois, je vais gagner, donc... allez, hop. Oh. Ouais, il gagne. Il a gagné. Il a... Oh. J'ai tellement cru quand j'ai vu le fake out. Je me suis dit, oh, elle est super beau. Et ben dis donc, il y a du sparking. Hein. Il y a du sparking. Mais de toute façon, c'est sur le prochain. C'est sur le prochain palier. Ouais, mais et cette multi, elle est dingue. Cette multi est folle. Il manquerait plus qu'il y ait l'ultra et la multi est parfaite en fait. Encore un fake out. LF. Non, bon, ok. Eh, franchement, la multi, elle est incroyable. La multi est incroyable. Bon, après, c'est que des sparkings de merde. Mais la multi est quand même incroyable. Bon, je vais la screen parce qu'elle est belle. Mais bon. D'ailleurs, j'ai vu sur Twitter passer, je crois, ou Facebook, je sais plus. Un mec a drop deux fois Vegito dans la multi. Bon, allez, vous savez quoi? Skip. Oh, j'ai bien fait. J'ai bien fait de la skip. On continue. Allez. Un petit nuage magique qui veut bien popper. Oh, hey, je l'ai dit. Un petit nuage magique qui veut bien popper. Le petit nuage magique arrive. Mais bon. Alors déjà, il n'y a pas d'animation de Broly. Allez. Pas de LF. Mais il y a plus de chances d'avoir un LF en fait. Hein. Ah bah ça va être un LF. C'est bien. C'est très très bien. Parce que du coup je vais l'avoir. Là il passe. Je l'ai combien? Je l'ai 11 étoiles, je crois. Là, il va passer 12 étoiles, un truc comme ça, je crois. Non, franchement, c'est très bien.
Là, ce cycle en termes de LF, il est mieux. Hein. Là, les cycles que je suis en train de faire là, en termes de LF, c'est beaucoup mieux. Il passe combien d'étoiles là? Ah ben non, il passe 12 étoiles. Il passe 12 étoiles. Je suis pas loin. Je suis vraiment pas loin de l'avoir 14. Hein. Je suis pas loin. Ah, il me le faut encore 3 fois. Encore 3 fois. Et je l'ai 14. Encore 3 fois. Bon, ça, la gratuite, vous savez qu'est-ce que ça veut dire la gratuite, hein. La gratuite, c'est celle qu'on... Oh, attends, il passe combien à 14 étoiles, là, le Gotenks? Il passe 14 étoiles, ok. 38% quand même, l'attaque physique de base. Mais c'est que attaque physique. C'est dommage. C'est dommage qu'il ait pas double ligne, en fait. Bon, allez, on continue encore un petit peu. Je sais à peu près quand est-ce que je vais m'arrêter, je vous le dis pas. Pour garder le suspense. Mais je vous dis pas quand est-ce que je m'arrête, mais je sais à peu près quand est-ce que je vais m'arrêter. Si je le drop pas. Ok, j'ai bien fait. C'est ici que le personnage doit tomber. C'est maintenant. Oh, l'animation claquée de fou! L'animation claquée de fou! Oh là là, plus la merde. Oh là là, plus la merde. Oh, plus la merde, plus la merde, plus la merde, plus la merde. Comment ça pue la merde? Là, par contre, vraiment, c'est très très dur. C'est très 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 dur, moi je vous le dis. Mais après, ça va. Parce que je suis pas non plus pauvre en cristaux, tu vois. J'ai pas dû remettre d'argent et tout, tu vois. Moi, là où je suis, j'ai de la. Enfin, pas de la peine. Où j'ai. J'ai mal au cœur, tu vois, pour des gens. Pour certaines personnes. Whis! Ah non, Ryuken. Là où j'ai un peu mal pour les gens, c'est ceux qui vont du coup mettre la CB derrière et ensuite ne pas, enfin vraiment pas le drop, tu vois. Ce matin, ça c'est le plus dur. Il a combien le alors salut Pay June. Il a combien le végétaux, c'est-à-dire le taux de drop c'est 0,35 et quand c'est taux ultra x2 bah c'est 0,70 quoi en fait. Hein. Bon allez. C'est dur. C'est très très dur. Mais ça va. Franchement, Zaraki ce matin, Miskin, heureusement il l'a drop. Ouais, mais en live il l'a pas drop. Hein. J'ai regardé. Oh, le végétaux. Magnifique. 11 étoiles. Magnifique. Je vais finir par l'avoir 14. Hein. Mais ouais, j'ai regardé la vidéo de Zara ce matin. J'ai regardé un peu au début. Après, je suis parti bosser. Je suis revenu sur la fin. Et il l'avait toujours pas en fait. Il avait toujours pas le perso. Bon. Ouf. Bon. Bon allez. Celle-là, je vais me la laisser. Oh non, je vais la skip en fait. Hein. J'ai bien fait de la skip. Par contre, celle d'après, on la skip pas. Hein. Celle d'après, bah pas de skip. Hein. Merci à tous d'être sur le live. Les amis, n'hésitez pas à me follow et à me donner de la force. Franchement, si on pouvait être 400 followers ce soir, ça me donnerait beaucoup de force. Et ça m'aiderait à ne pas... Comment dire? Merci, Soul King Su. Ça me permettrait d'être un peu moins déprimé par ma session d'invocation. Là. Honnêtement, ça me permettrait d'être un peu moins déprimé. Parce que là honnêtement, c'est très très dur. Hein. C'est très très dur. Hein. C'est... Le shaft, il est incroyable. Il est incroyable, le shaft. Hein. C'est très, très dur. Hein. Le glacier. 5, 8, 10, 12, 14. C'est ça. C'est exactement ça, Pai Jun. Je perds ici. Glissé doré. Bon. Le truc, c'est que c'est le glacier. Le glacier, généralement, t'as des choses intéressantes. Quand t'as le glacier, tu vois. Un LF. Oh, c'est beau. Bientôt 14. Bien, encore un drop et c'est 14. Merci MacFury15 pour le follow, ça fait plaisir. Bon, j'ai eu un LF déjà, ça c'est bien. Tu veux pas un petit ultra là vite fait? Un petit ultra, non? Je sais pas si fake out. Si fake out, comment dire... Oh, je l'ai 14.
G14, le Freezer Pod, le premier Freezer Pod du jeu. Eh, hey, il est bientôt à 14, SV Ultra. SV Ultra. SV. Ouais, j'ai eu un fake out sur les ex tout à l'heure. J'ai eu un fake out sur le ex. Pour ça, on la skip. Hein. C'est dur. C'est très très dur, les amis. Donnez-moi. Enfin. C'est chaud. C'est chaud. Et Sparking, ouais. Mais il n'y a pas de fake out. Je crois qu'il n'y a pas de fake out héros. Hein. Que dire que c'est très dur. Dire que c'est très très dur. C'est ici qu'il faut qu'il tombe, putain, j'en ai marre. Ok. Bah à mon avis il va pas tomber ici. Hein. Yes, yes, il est là. Putain, ça y est, 10 étoiles. Enfin, il est là. Pff, oh là là là, c'est bon. Oh purée. Oh bordel de merde. Oh bordel de merde. Ça y est, il passe 10 étoiles. Oh putain. Oh là là, incroyable. Oh là là. Ça y est, je suis soulagé. Je peux arrêter d'invoquer. Je vais terminer le cycle quand même. Voilà, je termine quand même le cycle et après j'arrête. Ça y est. Et après, on est reparti en mode on est en mode stockage. On est parti en mode stockage. Ça y est, il est 10 étoiles. Il est 10 étoiles. Il me le fallait, 10 étoiles. On termine le cycle. On va terminer le cycle. Mais il est tombé sur le taux ultra x2. Ça y est. En tout cas, donc je vais rendre la prédiction. Du coup, je vais rendre la prédit maintenant, tout de suite. Hein. Allez, hop. Choisir. Terminer la prédiction. J'ai envie de faire une prédiction là, vite fait. Mais vous avez 30 secondes. Vous avez 30 secondes pour. Vous avez 30 secondes. Est-ce que je vais drop le Vegeta Ultra sur les deux prochains là? Est-ce que je vais le drop? Oui, non. Vous avez 30 secondes. Vous avez 30 secondes. Bon, à mon avis, il va y avoir. Merci Paijun pour le follow. Alors, vous avez 30 secondes. À mon avis, ça va aller très très vite. Hein. Ça va être non à 99%. C'est quasiment sûr hein, parce que j'ai tellement peu, pas de chance en fait de le drop. Donc est-ce que je vais le drop sur les deux prochains paliers? Mais c'est infime la chance hein. C'est 0.35 et 0.35 hein. C'est infime. Et ensuite on va aller tester le personnage en PVP hein. Donc restez là, tous ceux qui sont là, restez là. On va aller drop le personnage. On va aller showcase le personnage en PVP dans la team qui pour moi est vraiment très forte. C'est la team SSJ. Imagine nuage magique. Il n'y a pas de nuage magique ici. Il n'y a pas de nuage magique. T'as tout mis au le seum. Je sais pas, je vais voir ce que vous avez mis. Ah, il y a quand même eu du oui non. Il y a 50-50. Moi, je pense qu'il y aura eu genre, je sais pas, 99% de non quoi en fait. Hein. Parce que c'est tellement peu probable. C'est tellement peu probable. Oh! Deux sparking. Ah, je prends tous les jours. Hein. Oh, un troisième sparking. Ben dis donc, elle est belle cette multi. Enfin belle. Façon de parler quoi. Elle est belle façon de parler en fait. Hein. Ah, eh ben dis donc, il y en a du sparking. Hein. C'est bien. Encore. Mais c'est un truc de ouf cette multi. Salut, t'as drop. Ouais, Fuji, ouais, j'ai drop juste avant. Juste au palier de juste avant. Donc, malheureusement, tu n'étais pas là. Et après, on arrête là. Wouah. Oh purée, elle pue la merde. Ça. Bon, en tout cas, bon, je suis refait. 10 étoiles, c'était mon objectif. D'ailleurs, à noter. Vous avez noté ou pas qu'il n'y a plus la single, il y a plus la single à 20. Salut, Wislang. J'ai claqué combien au final? Attends, je vais te dire ça. Je vais te dire. Salut, Greg. Ah, quand même. Hey, les deux dernières multi, elles auront été belles. Hein. J'ai claqué
69 000 cristaux. Bon, bah tu as pu le voir, j'ai enfin drop le personnage et je l'ai eu 10 étoiles. Donc c'est très bien, franchement 10 étoiles c'est vraiment le top. Je suis très très satisfait de l'avoir 10 étoiles. Bah maintenant on va aller le tester en PVP, hein, bien évidemment. On va voir qu'est-ce qu'il donne, qu'est-ce que donne le personnage à 10 étoiles. Et bah, je peux te dire que c'est un monstre. C'est un monstre, surtout bien joué. Il faut savoir le jouer, le personnage faut savoir le jouer. C'est pas un personnage qu'on prend facilement, forcément facilement en main. Quoique si, mais en fait, ce qui est le plus dur à placer, c'est son contre. À partir du moment où tu arrives à bien gérer son contre, le perso il devient pas incroyable, mais de base il est très fort. Mais là, si tu arrives vraiment à t'amuser avec son contre, ça peut être dévastateur, je te le dis. Donc voilà, écoute, je te souhaite, j'espère que tu as kiffé, et puis je te dis à très bientôt. Ciao, bye bye!